Voilà, il est arrivé sur ce plateau. Pascal Marmet, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler donc de cette soirée du 9 décembre que vous organisez avec Jean-Pierre Diric. Oui, absolument. Voilà, donc l'occasion de le découvrir un petit peu plus. Bon, c'est même pas un petit peu plus, c'est en chair et en os carrément pour nos téléspectateurs et amateurs de bande dessinée. Alors, avant que Michel vous cuisine sur cette rencontre-là, on avait fait une émission avec vous et vous nous aviez dit, alors je ne sais plus si c'était hors ou sur le plateau, mais que vous aimiez bien aussi varier un peu les plaisirs et que de faire rentrer la BD aussi dans ces rencontres-là, c'est quand même important. Il y a un vrai public et il y a une vraie histoire à communiquer autour de la bande dessinée quand même. Il y a un vrai univers. Oui, absolument. Surtout que moi, je fais partie d'une génération où Pif Gadget, c'était, je veux dire, on allait toutes les semaines acheter notre Pif pour le gadget et aussi pour les personnages qui étaient à l'intérieur. Ouais. Et on attendait la semaine. On lisait quand même. Et bon, j'étais à peu près j'étais enfant quand Jean-Pierre est rentré chez Pif, donc voilà, j'allais acheter le Pif Gadget toutes les semaines, donc pour moi c'est tout un symbole. Et on s'est rencontré au hasard d'un salon du livre avec Jean-Pierre. C'est mon ami Jean Sicardi qui m'a présenté Jean-Pierre et on est allé dîner ensemble et on a eu l'idée de cette soirée là au mois de septembre en fait. Et c'est vrai, je me suis dit qu'avec tous les invités qu'on a eu, parce qu'on a débuté ces rencontres littéraires en mars 2009, j'avais jamais eu d'auteur de BD, donc c'est un vrai plaisir en fait de recevoir Jean-Pierre. Voilà, parce que je vous rappelle que Pascal Marmet, avec Judy Selly qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, hein, organise tous les mois, hein, voilà, des rencontres littéraires à l'hôtel Aria, dans les, comme on dit pour faire chic, dans les salons de l'hôtel Aria. Mais voilà, donc il réunit, fait venir des auteurs. En général, c'est vers 19h que ça commence. Donc c'est un moment où on est un peu plus libéré de sa journée. On a même peut-être pu rentrer chez soi pour poser ses affaires et retrouver des auteurs. Mais comment ça se passe? Ils causent? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bonne question, Michel, parce que là, il va y avoir quasiment de la performance en live. Oui, il y aura de la performance en live parce qu'on a fait venir un chevalet et donc il va faire des dessins sur place. Donc ça va être formidable parce qu'il va y avoir une sorte d'interactivité avec le public. Et non, mais ça me fait très plaisir. Vraiment, je suis très heureux de recevoir Jean-Pierre. Et puis en plus, là, on va parler d'autres choses. C'est toujours un support littéraire puisqu'on aura un roman là, qui s'appelle Simka Pigeot. Donc il y a toujours de la littérature, il y a toujours du romanesque, mais il y aura de la BD. Et ce livre que j'ai adoré, mais Le Divan de la BD. Est-ce que les auteurs causent ou bien on leur pose des questions? Comment ça se passe vos soirées là? Alors ça se passe en. Bah, d'ailleurs, je vous invite, Michel, vous serez bienvenu. On viendra, mais racontez, parce que tout le monde ne peut pas venir là. Mais je vais vous raconter. Ça se passe de la façon suivante. Au début, bon, on arrive vers 19h à peu près, ça commence. Donc, je présente mon invité, je fais une rapide présentation, mais ça ne dure pas longtemps parce que je lui cède la place très rapidement. Ensuite, il fait une espèce de mini-conférence qui dure à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Ensuite, on a un petit buffet et ensuite, il répond aux questions du public. Et puis là, ça va être un peu spécial parce qu'il va dessiner sur place, et puis à la fin, il y aura une petite séance de dédicace où il va dédicacer ses livres. C'est ce que j'allais dire. Les livres sur place. Bien sûr, on peut acheter les livres sur place parce que c'est quand même très important. Surtout Jean-Pierre. Les amateurs de bande dessinée, c'est peut-être eux les plus férus justement de rencontres avec leurs auteurs, les dédicaces. Ils aiment beaucoup se faire dédicacer leurs albums, ça, parce qu'il y a une vraie psychose à ça. Les gens se retrouvent. Ça fait des collectors et tout ça. Donc là, il y a un vrai intérêt à la fois pour l'auteur et pour les gens qui vont venir, parce qu'en général c'est des gens très très férus de dédicaces. Et alors vous, en tant qu'organisateur, qu'est-ce que vous attendez en plus par rapport à une soirée, on va dire, traditionnelle avec un romancier? Un peu plus de folie, d'excentricité, d'interactivité, et puis surtout un autre public, parce que nous avons un public d'habitués, de gens du quartier et puis des alentours. Là, nous allons avoir un public de jeunes, j'espère qu'on va avoir des gens plus jeunes, et puis avec un peu plus de folie, un peu plus d'imagination, parce que franchement, Le Divan de la BD... Et puis ce qu'on peut dire aussi, et je pense pas lui faire de la fausse publicité, mais c'est qu'il sera évidemment là pour répondre aussi aux questions, comme il l'a dit pendant l'émission, des jeunes qui souhaiteraient faire ce métier, qui ont besoin de savoir comment ça se passe. Il est très, très facilement abordable et vraiment il répondra à toutes ces questions-là. C'est important pour les gens qui aiment ça. Vous l'avez vu, de toute façon, quand on passe un moment avec Jean-Pierre Diric, on s'embête jamais. Hein. Ah oui, non, ça c'est certain. Non mais voilà, donc peut-être que là aussi, on peut s'adresser aux gens qui souhaiteraient embrasser aussi cette carrière-là et leur dire, voilà, vous avez l'occasion d'avoir
d'avoir quelqu'un qui a collaboré. Parce que c'est aussi ce qui fait la, oui, la renommée de la personne, le CV à PIF, PIF Gadget, et puis qui sort aujourd'hui donc ces bouquins-là. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller et à demander comment on fait pour devenir dessinateur. Parce que... Bien sûr, vous voyez, donc les rencontres de l'hôtel Aria, donc, dont je vous rappelle la soirée, c'est le 9 décembre. L'hôtel Aria, rappelez-nous où c'est, parce que alors, tout le monde ne connaît pas. Hein. Oui, absolument. Il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais pas tout le monde quand même, pas tous les gens de Nice quand même. Surtout quand on est de Nice, on va peu à l'hôtel quand voilà, même. Voilà, ça dépend. Absolument. Oui, mais ça, c'est un autre cadre, Nicolas. C'est pas le nom d'hôtel qui compte. Non, oui, là, c'est clair. Non, c'est 15 avenue Aubert, c'est ça. C'est au 15 avenue Aubert. Dans le quartier des musiciens, donc 06000 Nice. Il y a un parking pas loin. Mozart, là, le parking voilà, Mozart. Le parking Mozart. Très agréable. On n'est pas obligé de monter beaucoup d'escaliers si on est un peu impotent. Voilà, j'ai également un parking devant l'hôtel, mais j'ai que 4 ou 5 places. Voilà. Donc, il est vite rempli. Il est vite rempli. Donc c'est au 15 avenue Aubert. C'est dans la salle des petits déjeuners qui, ce soir-là, sera transformée, une fois le petit déjeuner servi, en salle de spectacle. Et c'est à partir de 19h, donc le 9 décembre 2010. Et au 15 avenue Aubert, 06000 Nice, on peut rappeler un téléphone, c'est le 04, après c'est 93 88 30 69 pour les réservations, ou sinon vous avez un site internet aussi, www.hotel-aria.fr. Voilà. Toutes les informations, vous êtes... Et merci à Pascal de venir être venu nous voir, parce que chaque fois je le remercie d'inviter les auteurs, parce que c'est quand même important d'inviter les auteurs. Et puis merci à Diric, parce que voilà, Noël approche, donc on se dit il y a des soirées d'hiver, la télé c'est toujours un peu gnangnan, donc plongez là dans les aventures de l'inspecteur Klebs, en plus ça amusera beaucoup aux enfants. Hein. Voilà. Non, et puis c'est une excellente occasion avant Noël, le 9 décembre, de recevoir Jean-Pierre Diric, qui m'a fait l'amitié de... Allez, on va clôturer cette émission, parce qu'on ne va pas trop déborder non plus. Merci messieurs, merci à Diric qui regarde cette émission depuis la régie, et puis on vous recevra ici pour de nouvelles aventures, pardon, l'un et l'autre. Michel, on se retrouve la semaine prochaine. Moi, je souriais parce que je regarde la couverture de Sim Capijot. Et alors, la carte, c'est la carte du chemin, évidemment. Il a l'art du détournement. Bon, allez, messieurs, s'il vous plaît, on y va. C'est le week-end. Moi, je suis en heure sup, là, donc je vais aller me reposer un petit peu et à la semaine prochaine. Salut. Merci.